Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer avec les mains sanglantes. Donc on s'était laissé, j'avais résisté au siège des forces du chaos sur Barakvar et les forces du chaos se sont fait exterminer entièrement et j'ai une warg aussi qui est apparue pour eux. Je suis en train d'assiéger Kheras Akarak des peaux vertes, donc je sais pas combien de tours il me reste parce que ils ont quand même des forces assez lourdes et ça m'emmerde un peu d'assiéger ça. Je me demande si je vais pas attendre 8 tours pour qu'ils fassent la... Ah tiens, hop, je vais mettre ça comme ça, ça les attendra. Pour qu'ils fassent... Oh pardon, la garnison. Alors, je vais avoir... je vais avoir quelques petits problèmes dans cet épisode pour... parler parce que j'ai quelques problèmes de santé en ce moment. D'ailleurs je pouvais pas faire de vidéo pendant plusieurs jours là parce que niveau pour parler c'était un peu la guerre pour moi. Là ça va un peu mieux mais des fois j'ai un peu du mal à articuler et puis j'y tant bien que mal je vais quand même faire des vidéos, donc voilà, vous êtes prévenus. Alors j'en étais, j'ai reconstruit d'autres garages, il me manque plus qu'à reprendre baraque et blabla. À éliminer ces dernières armées là, enfin c'est des héros. J'ai eux qui potentiellement pourraient venir m'emmerder. Parce que là ils ont quand même foutu. Ils font quand même du mal hein, aux vampires. Et là j'ai peur que lui il vienne sur moi. Peut-être que je vais envoyer un de mes assassins un peu les ralentir. J'ai en train de se refaire parce que j'ai détruit celle de Gringor Boîte en Fer. Et il faut absolument aussi que j'assiège le pic noir. Le problème du pic noir c'est que... C'est pareil, ils ont une big armée. Pas possible ça. Le rocher de fer, bah tiens on va faire... je vais faire ça. Voilà, et ici on va faire ça. J'ai besoin de booster mes trucs. T'es pas avec moi toi. Mon héros il est où? Non, t'es pas avec moi non plus. Ah oui, il y a toi, voilà. Et toi, faut que tu élimines ça. Colline Veronica. Elle a de quoi se défendre. Et lui, je vais lui demander de faire quoi? Je vais exterminer lui, hein. Ah oui, j'ai aussi ces armées qui se battent. Mais je suis pas en guerre contre eux, donc ce que j'espère, c'est qu'il remonte dans le nord, parce qu'il est en guerre contre les peaux vertes, et qu'il aille se faire Karakungor. Comme ça, hop, il partira en haut, et j'aurai pas à m'en charger. Voilà, voilà. Alors, on va passer de... Non, j'ai lui à mettre des compétences. Donc, on va te mettre ça. C'est qui au fait, toi? Ah oui, tais-toi. Ah oui, c'est vrai que mon armée de renfort, qui a été quand même très utile pour Barakvar. Non, 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 c'est pas ça. Je vais te donner ça. Et on passe de tour. Lui, il va être bloqué là. Je vais enfin me débarrasser de ces champions de merde là qui... Alliance militaire, oui. Les vampires sont des alliés très utiles. Autant s'allier avec qui on peut. Ah, intéressant. Ah, moins intéressant. Bon, ça, on s'en fout. Ah, ils ont repris ça. Oh la vache, les armées qu'ils ont, eux. Oh. Par contre, ouais, il faudra peut-être m'aider... Tiens, mon allié de mort-vivant.
D'accord, ils ont déjà ciblé là. D'accord, ok, ils sont déjà en cible dessus. Ok, vas-y, va faire ta live. Lui, il est en train de refaire ses troupes. Oh la vache. Lui il va refaire une armée rapidement et ça me m'emmerde. Allez. Oui. Voilà, ça fait déjà une ring en battant fer qui est décédé, m'emmènera plus. Je vais te mettre ça, voilà. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Total War Warhammer? Il y a les DLC des Bretonniens qui vient de sortir. Bah, il est sorti aujourd'hui, là où au moment où je filme cet épisode-là, donc forcément c'est la veille où vous le verrez, qui rajoute bien sûr l'armée des Bretonniens. Avec un nouveau système de où ça se passe sur la chevalerie, alors j'ai pas encore testé. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder toi? J'ai pas encore testé, mais bon, j'ai hâte de quand même de tester ce truc-là. Un système testé sur la chevalerie. Et on a trois factions parmi les Bretonniens. Donc on a Couronne, la Gasconie et Bordelot. Donc trois factions qu'on peut jouer. Et après on a les héros qui vont avec. Et on peut aussi, ils ont aussi rajouté parmi les contes vampires Isabella von Kastein en nouvel héros. Et ça c'est par rapport au... Il y a eu le truc sur la Saint-Valentin, je me rappelle plus comment ça s'appelle, il y avait une compétition entre plusieurs jeux de Sega, donc on avait Company of Heroes 2, Dawn of War, de mémoire, il y avait bien sûr Total War Warhammer, et le quatrième c'était... je crois que c'était sur Endless Legend, je crois. Et donc tous les jours il y avait des petites choses à gagner et la communauté a gagné Isabella von Kastein et von Kasten. Ils ont dit qu'ils la rajouteraient au moment de la sortie du DLC. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Là on va faire ceci et cela, voilà. J'aimerais même me débarrasser de lui en fait là. Meurs. Non mais alors ça m'énerve ça là. Bon, c'est pas grave, t'es bloqué mon pote, tu peux pas partir. C'est toi que je veux. Voilà, va. 24%, ça va être chaud. Attaquer l'unité, c'est attaquer l'unité. Non, 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 c'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. je me suis gouré en fait. J'ai dit attaquer l'unité, mais c'était attaquer les unités ou l'unité en elle-même. En tout cas, il a réussi donc. Bon. Non, c'est pas toi que je veux. C'est lui. Non. Je veux. Non. Non. Bon, je vais te mettre ça. Voilà. Cette armée est toujours en train de recruter. La quête, tatati, tatata. Bon, bon, là, pour l'instant, on fait rien du tout. On est en train de refaire ses forces tranquillement. Et doucement. J'aimerais bien... En fait, ici, là, j'hésite à me débarrasser des gobelins parce que les gobelins ne me servent pas à grand-chose et me faire qu'une armée de... que de... bien sûr, de... Comme je vous l'avais dit, de cavalerie. Qu'est-ce que c'est ça?
Ok. Ah, désolé les gobelins, mais bon. Ce que je vais faire, c'est des skigs. Des skigs qui sont quand ils sont très utiles, malheureusement qu'on pas survécu. Mais ça fait des ravages dans la... T'es qui toi? Qui es-tu? Non! Oh merde! Bon, c'est pas grave, on fera ça au prochain tour. Ouais! Bon, je vais pas le faire en... C'est bon, vous pouvez les tuer maintenant là? Bah merci! Voilà, je m'ai enfin débarrassé de cette armée. Pierre enchanté. Cool. Voilà, j'ai oublié de te... D'accord. J'en avais marre de ces mecs-là. Bon bah si Sartosal il veut se ramener sur Bragvar, moi, je m'en fous. Oui, on s'en fout, on s'en fout. Alors, toi, on va te mettre... Non. Ah, ça c'est pas mal ça. Oui, tu vas me faire un truc contre cette colonie. Ok, 19% c'était serre quand même. Ok, toi t'es bientôt remis. Alors. Ah mais c'est toi qui est en train de me... Toi tu vas là. L'autre est en train de se ramener, c'est la joie. Ah non, il a reculé. Ah non d'accord, il est là. Il va attaquer... Oh si tu vas attaquer les nains, ça, mais c'est bien. En plus il y a eux qui leur arrivent dans leur dos. Tu recrutes pas toi. Est-ce que je pourrais pas faire un truc sur toi? C'est quoi ça? Je vais plutôt faire un truc sur toi. Alors 46. Non, toi c'est pas plus dangereux. C'est le sorcier du chaos qui est assez dangereux. Là on a un spécialiste en mêlée. Meurs. Voilà, bon débarras, il est mort. Je vais les tuer comme ça un par un. Ici. Encore un tour et on est bon. Alors, attendez. Moi, réfléchir. J'aimerais remplacer ces 4 unités-là. Par des orques sauvages beaucoup plus costauds, forcément. Eux, lui, le remplacer par... Je peux pas faire de géants, j'ai pas un truc pour faire des géants, j'ai rien pour faire des géants. Le problème c'est que il faudra que je renomme ces en fait les noms qui ont ces unités là, donc que vous m'avez donné, je les renommerai, je les remettrai sur des unités d'orques sauvages costauds. Comme ça, eux, je vais tous les remplacer par des orques sauvages costauds. Et en fait, on va dire que c'est l'évolution. Ils ont évolué en, plus costaud. Par contre, lui, j'hésite à le virer et me mettre un... Un orque sauvage. Oh, mais c'est 6 tours quand même. Orque noir. À la place. Mais là, c'est 6 tours. Mais eux, c'est quand même 4 tours.
J'ai assez de... Ah, je pourrais faire une deuxième catapulte peut-être. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ouais, on va faire une deuxième catapulte pour cette armée. Ok. Là, lui, on l'a fait bouger. Oui, c'est bon. Donc, il est en train de reprendre ses troupes. Faut que je voie ça. Donc, j'en étais où? Il y a lui qui se balade. D'accord, ils ont déclaré la guerre entre eux. Donc ici, on a construit ceci. Ok, il faut attendre que ça s'améliore. Et là, on peut refaire des... Voilà, des petits squigs. Alors, on m'a dit de ne pas piller Karak-Zakarak et Pique-Noir, parce que ça m'a apporté beaucoup d'argent, mais c'est sûr que je vais perdre derrière les bâtiments qu'ils ont construits, et c'est vrai que j'y ai fortement pensé. Surtout qu'en fait, ce que j'ai pas envie de risquer, c'est de... Ce que je veux pas, en fait, le problème de cette bataille-là, c'est que ça va me réduire, enfin je vais mais peut-être que je vais perdre des unités et aussi je vais perdre beaucoup d'unités, enfin d'hommes. Mes armées vont se remettre, vont mettre 3, 4, 5 tours avant de se refaire entièrement. Et ça peut me jouer un mauvais tour de ne pas avoir une armée totalement opérationnelle. Si j'ai une armée du chaos qui se ramène derrière, ça va vraiment me faire chier. Encore le pic noir est un peu loin, donc je peux éventuellement l'assiéger, mais alors Karak-Zakarak, limite je préfère je préfère l'avoir intégralement et sans trop de pertes. Histoire derrière de pouvoir... de pouvoir gérer un peu. Ici, de toute façon j'ai plus assez d'argent là, donc... faudra que je re-recrute derrière... des mecs. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Rompre le pacte de non-agression avec eux et leur pays ça avec eux. Oh bon fou, je m'en fous. Peut-être qu'ils veulent leur déclarer la guerre, c'est pour ça. Ouh là là. Les nains, enfin, en même temps, les nains n'avaient rien pour protéger leur ville, alors ils ont. Ah, rébellion. Bon, attendez. Je tape une rébellion. Donc ici, la rébellion est là. Quand je vais le faire, il y a quoi comme armée? Oh oui, ils ont largement de quoi se défendre. Par contre, c'est eux qui n'ont pas... Ah oh, bah si. Et eux, ils sont en train de me piller. Ah, les as... C'est quoi? Les salopards! Eux sont en train de se casser. Non, vous vous tirez pas. D'accord, il peut rien faire pour l'instant. D'accord, je sais pas pourquoi il peut rien faire, mais il peut rien faire. Alors. L'autre est en train de refaire une armée. C'est super. Ouh, 69%. Voilà, c'est ce que je voulais. Merci. Voilà, j'ai fait cette quête enfin depuis très longtemps. Not up there. You more.
Toi, tu vas aller là. Le faire. Ah non, tu peux pas. Ok, super. Par contre, c'est lui qui me saoule. Et heureusement, au rocher de fer, je l'ai boosté ce truc-là. Ouais. Il y a une rébellion ici? Oh merde. C'est la loose. Le signe rébellion, j'en verrai mon... Ouais. Sinon, je peux envoyer... Vous n'êtes pas encore refait, vous. C'est chez moi ou c'est eux qui reprennent là? Bon, je vais devoir dire coucou à lui. Pendant ce temps-là... Toi, tu vas me faire coucou à lui. Un bar à voir, il y a quoi? Faut que j'améliore... Voilà, ça. Une Ringo's bidou chouette. Pour l'instant tu me fais rien. Bon ok, ça va attendre. Ah, il vient m'attaquer. Oh la... Mais what? C'est quoi tous ces géants? Mais qu'il a 6 géants quoi. Ouais, on va. Je vais me repayer. Il faut que je harcèle ces troupes là parce qu'il y a trop. Oh la vache. Non mais sérieux. Faut que je m'en débarrasse. Hein. Rébellion. Ah, munitions plus 20 pour une unité de l'archipel. Ok. Oui, blablabla. C'est bon. On a compris les rébellions. Alors ici, on a une rébellion là. Ok, alors je vais dire à mes... à eux d'aller s'en charger. Le problème de là, c'est que je n'ai pas... Je n'ai rien... Ouais, mon Yuski Cornus, ça peut limite... Mais alors là, je n'ai rien. Ok. Ensuite, toi... Tu vas là. Bon, il a réussi. Sans déconner. Toi. Eux sont en train de... Ah, ils les ont eu. C'est bien ça. Tu vas me débarrasser de ça, parce que lui, quand ça me gavait...
Et par ici, c'est super. Night of a war, boss. Let's take what should be ours. Et toi, t'es la warg de... Ah oui, t'es la warg de ça. Ah bah tiens. Hop, tu vas aider ça. On est où avec les vampires, là? Karakongor a résisté. Et le chaos... Oh putain, lui, il va redescendre, lui. D'accord, d'accord, d'accord. Wurzeg, the great green prophet. Oui, je peux pas parce que je n'ai pas de... ce qu'on va faire, c'est que je vais virer toi. Voilà, désolé. Je vais engager ça à la place. Toi, je te vire. Et je mettrai un orque sauvage à la place. Ah, ça m'a coûté cher. Hein. Ça coûte combien là? 2000 rien que pour ça. Ouais, mais je... Pff, tant pis. Tant pis, je suis obligé. Et on va aller attaquer ces petits messieurs. Mais avant tout, je vais faire une ellipse parce que je, bah, je dois faire certaines choses. Et je continuerai plus tard, mais pour vous, ça va être en un instant. Mais moi, je ne peux pas continuer à filmer. Donc on va se quitter. Enfin, on va se quitter. Je reviens tout de suite. Je sauvegarde, bien sûr. Hop, hop, hop. Et on va aller exterminer cette peau verte. Allez, tout de suite. Allez, meurs, voilà. Donc, on va aller faire cette baston contre ces vilains rebelles de peau verte. Alors c'était rapide pour vous, pour moi c'est passé une journée entière. Et j'espère que ça va bien se passer, enfin je m'inquiète pas trop de cette bataille, surtout qu'il y a en face il n'y a que du gobelin majoritairement. J'espère que ça va bien se passer quand même. Alors, je vais faire cet épisode un peu plus court que d'habitude. J'ai un peu du mal à articuler, donc pour tout savoir, j'ai un mal dedans comme pas possible. J'ai un coin de ma bouche qui a gonflé et c'est assez difficile de parler. Et donc c'est pour ça que j'essaie de parler un minimum. Allez, cherche-toi. Mais je tenais quand même à vous faire cet épisode, quoi. Que je casse pas mon rythme. Allez, go. Bon, allez, on va les tuer vite fait, là. Hein. Ils font chier. Blablabla. Bla, bla. On va faire ça comme d'hab. Hop. Hop, hop. Hop. On met eux ici. Toi là. Et on va mettre les petits gobs sur les côtés. Voilà. Je vais vous mettre eux. C'est mieux comme ça. Les trolls, on va les mettre là. Non, plutôt de ce côté. Et la catapulte. Allez, tire-moi là-dedans, toi. C'est quoi ça? Ok. Allez. Ouh, ça a fait mal, ça.
Catapulte! Ouh! Allez, 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 allez! Oh, ils ont beaucoup de cavalerie quand même. On fait pas le con. Ok. Et on avance. Et boum! Pourquoi ça? J'en avais prévu. Dans leur dos. Et toi, tu me... Oh bah d'accord, ils sont déjà... Oh merde, mes loups ont du mal. Vise-moi là-dedans, toi. Hop. Elle fait du ravage, bon. Bon, voilà, ça c'est fait. Tue-moi ce... ce petit gobelin. Attends, 1383, il perd combien on va voir? Oh, ça lui fait rien. Ouais, elle le loupe quoi. Ouais, vol et maintenant attaque. Faut quand même ah oui d'accord, il quand même il prend 945, si il prend. Bloqué. Cours petite âme, cours. J'ai envie de te bouffer. Flouc là. Allez, bouffe-le. Qu'on n'en parle plus. Bon. Non, tu veux pas. Ouais, ça prend trop de temps. Et je n'ai pas la patience.
Ouais, ils ont fait le taf, mais 218, à la vache. On va les terminer. Voilà. Voilà, moi ce que je fais des... Voilà, on va faire ça, c'est mieux. Viens nous attaquer chez nous, ça serait mieux. Il faut que je monte ça ici. Je sais même plus où j'en étais. Il y a ça qui se déplace. Il y a ça qui est là. Vous, je sais même plus ce que je vous donnais quoi comme mission. Ah oui, il y a ça. J'ai ça aussi à faire, ça c'est quoi? Commandant plus 5 pour les unités de gobelins, ça c'est pas mal ça. Surtout pour les gobes. J'ai pas un... Il est où? Ah oui, il est là. Il est là, ouais. Allez. Une rébellion. Oui, on va voir ça dans l'ordre. Ah blablabla. Ah, j'en ai marre. Tiens, va t'occuper. En plus, c'est le chaos encore. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Ah, toi tu m'assièges. Intéressant ça. J'ai quoi ce grand valet? Ah oui, j'ai... Ah oui, c'est un peu plus équitable. Et en plus il subit l'attrition. Ah, c'est pas mal ça. Du coup... Ah, j'ai des murs sur la Valaya. Ah, oh, bah je vais le laisser attaquer. Pourquoi m'emmerder? Je vais faire... Voilà, je vais reprendre ça. Il vaut mieux. Two ones ready.
Elle est où la remède ça? Ok, elle est partie. Et ça, fout le camp. Et là... Allez, meurs. Raté. On en est où là? Il reste 3 tours. Hein. Voilà, attendez. On va faire ça plus intelligemment. Qu'est-ce que je vais... Ah merde, 5 tours il me reste. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais m'emmerder, mais... Ouais, bah alors on va faire ça. Car Gungor est toujours là. Bon. Ah oui, c'est vrai. Ici. On va faire ça. Et ce que je vais faire surtout en priorité, c'est... ouais, c'est ça. Faut que ça c'est un fossé de Bourzag là pour la garnison parce que cette ville est menacée à chaque fois. Il y a quelqu'un qui doit monter le level, je sais plus qui c'est. Ah c'est mon espion. C'est où ça? Ah d'accord. Ils sont fait choper par les... ils sont fait attaquer par les... ma warg et ils sont revenus en arrière. Bon, on va pas me prendre la tête avec ça. Et après ils m'ont attaqué moi. Ok. Voilà, rébellion au moins. Blablabla. Ah vache, moins 12. Et donc ici, je veux faire ça. Il y a deux garas, faut que je fasse ceci. Ça c'est pas mal ça, ouais. Oh, et l'autre qui se ramène.
Mythical multi-boss. Who's the boss? Ah, j'ai tout à éliminer et je peux pas, super. Oh là là là, bon. Là ils vont bientôt mourir du jour, donc je vais pouvoir prendre Kazakarak Pénard. Et par contre il y a ça qui m'embête. Ah bah, il n'y a plus ça qui m'embête. Cette rébellion qui est assez chiante. Et eux qui sont en train de mourir du jour aussi. Bon. Parfait hein. Si ça les amuse. Et après j'ai eu qui viennent m'emmerder. Bon c'est pas très... Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils font des allers-retours. Oh, il est en train d'en faire une armée. Bref, on va se laisser là-dessus. Donc voilà, c'est un petit épisode tranquille, peinard. Et on se retrouvera pour la suite avancée, histoire de me débarrasser de tout ça. Bon, j'ai repris mes régions qu'on m'avait détruites. Il faut vraiment que maintenant je me débarrasse du pic noir et de Karak-Zakarak. Donc j'attends qu'il s'use. Et après que je prends, je pense que je vais prendre cette armée-ci. Et je vais aller attaquer le pic noir avec cette armée-là en renfort pour me débarrasser des peaux vertes dans ma région. Et ensuite, je pourrai affronter le chaos avec toutes mes armées. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Bien entendu, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes avec les mains sanglantes et bien sûr les FE Sylvain. Je vous souhaite à tous un bon milieu de semaine et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.